Alors, sur ce morceau, The Little Negro de Claude Debussy, il y a beaucoup de, on va dire, de difficultés techniques. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très intéressant. Donc, nous allons voir ça donc, de manière chronologique. Hein. Déjà, en mesure 1, on a cette figure rythmique, double croche, croche, double croche. Regardez. Double croche, croche, double croche, croche, croche. Voilà, cette figure qui revient quasiment dans tout le morceau. Donc voilà. Donc ça, c'est une figure rythmique à travailler, hein. Effectivement. Donc dans cette mesure 1, les deux croches de fin peuvent, sont jouées piquées, hein. Peuvent être jouées piquées. Ensuite, je dirais à la main gauche, à partir de la mesure 3 jusqu'à la mesure, on va dire, 7. Donc de la mesure 3 à la mesure 7, on a une progression donc d'intervalle en tierce mineure. Donc il commence en Ré Fa. Et après on fait cette progression en tierce mineure. Donc Ré Fa c'est une tierce mineure. Ré dièse Fa dièse tierce mineure. Et donc. Et c'est que des croches. Et là je fais que des. En décrescendo. Oui, que des tierces mineures. Je refais ça. Alors pour le doigté, effectivement, il y a plusieurs possibilités, hein. Ça. Voilà, donc on commence du Ré Fa pour arriver finalement à un autre Ré Fa à l'octave du dessous. Voilà, que des tierces mineures, hein, donc Ré Fa, Ré 1, Mi Sol et tierces mineures. On va avoir Do dièse Mi, tierces mineures, Do Mi bémol, tierces mineures, Si Ré, tierces mineures, La dièse, Do dièse, tierces mineures, etc. La Do. Vous aurez remarqué aussi ça. Ensuite, autre difficulté du morceau, c'est quand les deux mains vont se chevaucher, donc à partir de la mesure 9. Donc on va monter un peu sa main. D'abord la main gauche, en fait, on fait un intervalle d'octave. C'est pas très compliqué. On croche, hein. La main droite, c'est le thème du début. Donc, qu'on faisait là, vous vous rappelez. Et on le refait ici. Mais on va monter sa main justement, puisque les mains se chevauchent. Et la dernière difficulté, ça va être justement la fin qui est une forme d'arpège qu'on joue avec les deux mains en fait. Donc regardez bien, Sol, La, Do, Ré, Mi. Je refais ça lentement.
gauche. Main droite. Allez, dernière fois. Main gauche. Alors le doigté, c'est toujours une indication, hein. Il y a toujours d'autres possibilités. Je peux mettre en 5, en 4, en 3 même. Main droite. Je remets la main gauche. Et vous voyez, je rejoue en fait la même, les mêmes motifs là. Sol, la. Là, la main droite joue le sol en plus. Voilà, donc c'est un morceau vraiment abordé, voilà, très, faut faire ça vraiment méthodiquement, vraiment jouer très lentement, surtout ce passage. Voilà, des intervalles de tierce mineure à la main gauche. Voilà, quand on joue ça très lentement, on peut arriver à un résultat très rapidement, donc bon courage et à bientôt sur Tutto Piano.